Assalamu alaikum. Donc, au cours du passé, Jang nan la ni créé projet, ak nan la ni lancé projet bi. Mais en réalité, méthode bin utilisé won pour bindu du ni lan wara, par exemple, liguéye, c'est HTML. Par exemple, fichier HTML, wara ñëw rek commencer di bindu ni, etc. Mais da nga wara am ben organisation, ben structure bo xamni fichier bi daf ko wara am. Donc, mais yéen a ngi gis fi point bu weex bi ni. Point bu weex bi, lu muy signifier mooy tout simplement fichier bi enregistré woo ko. Pour enregistrer fichier bi, da ngay def CTRL S. Mais à chaque fois nga defaat modification, point bu weex bi day ñëwaat pour wax ni fichier bi da nga ko war a enregistré. Mais pour éviter à chaque fois ñuy def ay CTRL S pour enregistrer, donc dañuy def de telle sorte que fichier bi si boppam, loo bind rek automatiquement da koy enregistré. Donc, pour cela, donc da ngay dem fichier, si fichier am na lu ñuy wax enregistrement automatique. Donc ñi nga xam ni affaire bi en anglais la nekk, autosave la ñuy am fii, autosave wala enregistrement automatique. Léegi boo cliquer sur autosave wala enregistrement automatique, automatiquement lépp loo bindati rek moom da koy sauvegarder automatiquement. Ok, donc léegi bon lii dama koy effacer parce que en réalité du noonu la war a commencé, mais page point HTML dafa war a am lu ñuy wax structure. Donc, structure bi mooy structure de base d'une page HTML. Alors, donc, fii yéen a ngi gis ni bëri na ay balise, mais balise bu si nekk dinaa leen expliquer lan lay def. Alors, balise bu si njëkk mooy la balise doctype. Balise doctype, bon, balise la boo xam ni bi HTML di débuté aux années 1991-1992. Dafa doon permettre di détecter les erreurs de balisage. Maanaam tey jii bu doon da nga ñëw nga créé par exemple benn balise P, nga def inférieur P, nga fàtte tëj balise bi, lii c' est une erreur de balisage. Léegi doctype bi, doctype HTML, lii nii daf doon permettre di détecter automatiquement erreur yi nga xam ne da nga ko def si balise yi. Mais doctype aussi da doon détecter ndaxte ndax page bi nii c'est un page HTML, c'est un fichier HTML valide voilà du fichier HTML valide. Mais loolu bu njëkk la woon, n' est ce pas, aux années 91-92. Mais actuellement, bon, balise doctype HTML bi daanaka njariñam bareetul. Donc, essence yi daf fi nekk juste pour permettre seen fichier bu dox normalement, bu dee da ngeen di utiliser ay navigateurs yoo xam ni c' est des anciens navigateurs. Donc mu am beneen balise ñu koy wax balise HTML. Donc boo xoolee balise HTML bi, ma xaaral ma fermé, gisoo fii boo tëjee fii day fermé, ma fermé balise body bi aussi, ma effacer balise P bi ma commencé woon, ma tëj balise P bi, ma def tabulation, damay sélectionné d' abord, donc ma tabulé. Donc pour tabulé da ngay utiliser juste en fait am na benn bouton bu nekk ce clavier si sa gauche, n' est ce pas, am ñaari flèches yi, boo bësee foofu mu tabulé. Boo bëggee delloowaat tabulation bi da ngay def shift tabulation, donc tabulé shift tabulation, voilà. Donc boo xoolee balise HTML bi, donc comme li ma leen waxoon balise la am, day am toujours balise ouvrante, li mooy balise ouvrante bi. Donc si biir balise ouvrante bi man ngeen am par exemple ay attribut, dina ñëw si attribut yi, am balise fermante aussi. Donc lii nii mooy contenu balise HTML. Boo ñëwee aussi si balise head bi, di nga gis ni lii mooy balise ouvrante bi, lii mooy balise fermante bi, lii mooy contenu am. Boo ñëwee si balise body bi, di nga gis ni lii mooy balise ouvrante, balise fermante, lii moom mooy contenu am parce que espacement aussi contenu la. Alors donc balise HTML bi tey jii moom la ñuy wax la l'élément racine, c' est à dire moom mooy constituer la page en tant que telle. Donc page bi ngeen gis, lii ngeen di gis yépp en réalité balise HTML bi la quoi. Donc moom mooy constituer la page en fait de notre projet ou bien de notre site en fait. C'est on l'appelle l'élément racine, maanaam balise racine. Donc pourquoi balise racine? Parce que lépp loo xam ne war nañ ko créer après si page bi, donc balise HTML bi moo koy ëmb. Donc boo xoolee moom dèjà ñaari balise de base ñoo nekk ci biiram, muy balise head ak balise body. Donc balise head mooy lan? Balise head pour dire tey jii bu doon page bi yépp nit la, mën nañ wax ni par exemple balise HTML mooy nit ki lépp dans sa globalité, balise head bi mooy bopp bi, balise body mooy corps bi, n' est ce pas. Donc balise head bépp information boo xam ni am na njariñ par exemple si page bi, mais waruñu ko afficher utilisateur bi di ko gis, loolu da nga koy dugal ci balise head. Bépp information boo xam ne war nañ ko afficher da nga koy dugal par exemple si balise body.
Donc, comme bonjour tout le monde, bima bindon sank, waruñu ko dougal ci balise head, mais ces balises tout le monde, ces balises body. Mais attention, même bon quand par exemple ces balises head bi d'accord affiché, mais lolu en fait du yon parce que ci balise head waro len fi def dara lo xamné war nañ ko afficher. Donc tay ji bu doon dama koy déplacer, bo bëggé déplacer ben affaire da ngay positionné wu, comme par exemple ma cliquer wu ci ligne bi, ma def alt flèche haut mu déplacer mako ci kaw. Donc même buma défé li, donc buma actualiser da ngay gis ni toujours bonjour tout le monde la am, buma effacer monde bi, buma actualiser da ngay gis ni bonjour tout le. Voilà, donc da kay afficher, mais en réalité du yone parce que du ci balise head bi lañ wara def continue bu wara afficher, mais ci balise body bi lañ wara def lepp lo xamné war nañ ko afficher ci écran bi. Alors balise head bi comme ni ma len ko waxé hein, ay information yo xamné dafa am importance ci fichier bi, mais waruñu ko afficher, comme par exemple tay ji icône site bi, icône page bi, par exemple page bo gis amna icône, yeneen gis fi cour html amna icône. Tay ji buma tapé won google.com dinga gis automatiquement ben icône bo xamné day nek ci page bi, icône Google. Donc bép page ñun amagun icône parce que defagun code bi permettre afficher icône bi fi. Information bu nécessaire la, par exemple titre page bi bép information bu nécessaire nga wara appeler par exemple benen page ci sa page bi. Donc lépp lolu ci balise xet bi lang kay dougal. Donc amna ben balise par exemple bu ni wax meta, donc chercher UTF-8. Donc balise bi bo xolé amul balise ouvrante la, mais amul balise fermante, donc li lañuy wax balise orpheline. Donc balise bi lumuy permettre moy tay ji en réalité, donc boudé da ngay bind par exemple ben texte nga def ay accent ay par exemple ay dièse, wala par exemple ay ki accent circonflexe, etc. Ce navigateur man nako baña interpréter, man nako baña comprendre, man na baña comprendre accent aigu bi. Wala ngay def ay chinois, supposons que fi nga fi bind ay chinois, nga yor clavier chinois di bind fi ay chinois, ce navigateur man na baña comprendre li ngay bind. Légue pour que ce navigateur comprendre quel que soit li ngay utiliser, n'est-ce pas, quel que soit langue boy utiliser, quel que soit accent yi nga utiliser, da ngay définir le ni wax les jeux de caractères. Et jeux de caractères yi bari na hein, donc mais UTF-8 len gëna utiliser. Donc balise bi day permettre tout simplement définir jeu de caractères bi, et puis chercher pour voir le jeu de caractères sa page bi UTF-8 la. UTF-8 jeu de caractères bu puissant là qui prend en compte toutes les langues, mo xam chinois la, mo xam français la, mo xam anglais, etc. Lolu da fay permettre tout simplement bo défé accent wala nga bind fi ay accent wala nga bind lola neex, donc bo démé ci navigateur bi day comprendre accent yoyu nonu mo afficher lako. Alors donc mo am benen balise bu am importance, c'est la balise meta aussi. Donc X a eu compatible, n'est-ce pas? Donc balise bi day définir la compatibilité avec les écrans, n'est-ce pas? Donc parfois man nga utiliser ben écran bo xamni sa page bi du compatible ak écran bobu. Donc les problèmes de compatibilité balise bi moy permettre résoudre ko. Mo am balise meta bo xamni c'est hyper intéressant parce que da ngeen wara comprendre que ni fenêtre d'affichage la lañ woyé fenêtre d'affichage moy zone bi nga xamni c'est visible de votre page, par exemple dini li ngeen gis lu wex ni yépp fenêtre d'affichage la. Donc fenêtre d'affichage bu ñëk dañ ko doon def uniquement pour ordinateur, c'est-à-dire boy codé ak HTML bu ñëk da ko doon prendre en compte uniquement par exemple pour ordinateur, mais pas pour ay tablette ak et pour ay téléphone, parce que temps yoy nonu ay tablette ak ay téléphone bu amé tamit bari wul won. Légi lolou lum doon waral moy tay ji boudé da ngay travailler si boudé da nga exécuter sa page bi si tablette, wala nga exécuter ko par exemple si téléphone, day am ay débordements parce que yow defako won pour tablette, defako won pour téléphone, mais dang ko defon pour ordinateur. Donc da ngay gis fi di débordé, fi du ñew bu baax, etc. Mais pour éviter maintenant ces problèmes lolou yoyu, navigateur yi dañ doon navigateur yi sax dañ doon out ay solutions, ay solutions de contournement pour que boudé da nga utiliser téléphone, ñu essayer réduire par exemple faire de telle sorte que mu adapté wu affaire yoyu et tout ça. Bu dé da ngay utiliser sa tablette, navigateur bi sa tablette bi da doon essayer adapter aussi l'écran avec le contenu, mais lolu ay solution de contournement la, mais gisoon nañu toujours ni déssone na.
Donc pour éviter que ce code bi donc HTML mettre en place ben balise bo xamné day permettre en fait gérer lolu nonou. Donc balise bobu non bi permettre gérer la responsivité, n'est-ce pas, pour que ce page bi ni di dox ci ordinateur, di dox ci tablette, di dox ci téléphone, gisso tay ji boko defé ni day dox ci ordinateur, dox ci tablette, dox ci si téléphone. Lolo, c'est grâce par exemple à cette balise Meta Viewport. Donc Viewport beaucoup de guerres, ça fait référence à fenêtre d'affichage. Bon, on est par exemple with device with bon li moi gérer ça en fait responsivité bon non c'est écran i. Donc l'ini d'ay permet tout simplement initial scale 1.0 d'ay gérer zoom par défaut. Donc urbo lancer application avec amna ben zoom par défaut par exemple bu muy am buma cliquer fi ngeen gis ni dina gëna zoomer par exemple dina gëna zoomer écran bi. Vous me diminuez dans la zoom bi. Le zoom par défaut bi est géré par initial scale 1.0. Donc titre document bi, c'est juste le titre du document comme ni ngeen ko gisé ni, mais ñun dañ koy changer, ñu def apprendre HTML par exemple. Et là, vous actualiser di ngeen gis ni fi changer apprendre HTML. Alors, donc lepp lo bëgg afficher, donc bu ni travailler en réalité, lepp lu bëgg afficher ci page bi, donc ci navigateur bi, fi lañ koy def ci body mais pas ci balise head. Donc ligne yep mom la ni wax structure d'une page HTML.